Je suis Fabien Dehal, j'ai créé la société Cacao Concept depuis environ depuis 2015, donc dans le consulting d'avant, aujourd'hui en fabrication, et je fabrique du chocolat sans lactose. Donc une meilleure digestion, beaucoup plus de notes aromatiques, parce qu'on n'a pas cette matière grasse qui vient cacher les goûts. Donc la problématique, c'était d'arriver à trouver une solution pour remplacer cette matière grasse animale et la remplacer par une matière grasse végétale. Donc du coup, quand on part donc, pour fabrication des bonbons chocolat, donc on a réalisé nos ganaches qu'on a coupées au préalable donc du coup à la jet d'eau. On a fait nos carrés, les carrés vont être posés donc du coup ici sur le tapis. Ensuite, donc le tapis, le bonbon chocolat va avancer, il va passer sous la goulotte de chocolat. Une fois le chocolat enrobé, on va avoir un système de tapotage qui va nous permettre de lisser le chocolat. On a un système de soufflerie pour enlever l'excédent du chocolat. Et le bonbon, après, va arriver sur le tapis. Et donc là, du coup, sur le tapis, on va pouvoir le décorer. Donc avec, suivant ce qu'on a besoin, donc avec une lame, là, moi j'ai des lames de cutter pour faire moi-même mon décor et créer mon décor. Donc du coup, là, on va pouvoir faire notre décor. Le chocolat, on ne le touche pas. Il passe sous le tunnel de froid. Donc on a un tunnel de froid qui va être à 16 degrés sur 6 mètres de longueur. Donc le chocolat va arriver ici au bout de 6 minutes. Ici, on a un décrochement pour permettre de décoller le chocolat. Et ici, donc le chocolat, quand il arrive, on le prend, on le range et on le met directement en alvéole de rangement. Et alvéole de rangement en boîte, filmé. Et stockage chambre froide. Les perspectives pour les années à venir, c'est de continuer à développer le chocolat vegan, donc vegan sans lactose, aussi bien donc continuer à développer notre marché en France et aussi à l'étranger, parce qu'aujourd'hui on a le Japon qui est en place et on a d'autres perspectives sur l'Asie, parce que c'est des gros demandeurs de produits sans lactose.